Clermont 3, opposition entre les deux promus de cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Clermont, pour son tout premier match de son histoire parmi l'élite le week-end dernier, s'est imposé face à Bordeaux grâce à des buts de Bayo et Dossou. L'Estac n'a pas démérité mais a chuté face au PSG. Pascal Gassien surfe sur l'enthousiasme de ses joueurs et sur les étoiles dans les yeux de découvrir l'élite pour la plupart de ses joueurs qui pensent ouvrir le score en début de rencontre. Mais le but de Jim Alevina va être refusé pour une position de hors-jeu de Jodel Dossou. Et pas complètement rassuré Laurent Batles, le technicien de l'Estac, car ses hommes sont privés de ballon, souvent en retard. Deuxième carton jaune à l'endroit d'Issa Kaboré, le Burkinabé qui est exclu à la demi-heure de jeu, légèrement dépassé. Et Laurent Batles va être contraint de réorganiser son équipe qui va évoluer à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. Et Clermont tente d'en profiter avec le virevoltant Jim Alevina. Tout était bien fait dans sa percussion, sa provocation. Mais sa frappe du pied gauche va être bien claquée par Gauthier Gallon. 0-0 à la pause. On est loin encore de la rencontre prolifique en but de la saison dernière en Ligue 2 BKT entre les deux équipes où Clermont s'était imposé 3 buts à 2. Toujours les hommes de Pascal Gassien, dominateur. Ils l'ont été dans le jeu sans parvenir à trouver le chemin des filets. C'est sur coup de pied arrêté. Donc Mohamed Bayo trompe Gauthier Gallon. 1-0 à la 53e minute pour les Clermontois. Et c'est plutôt logique hein, sur ce que l'on a vu. Et à la 65e, de nouveau, Mohamed Bayo qui vient prolonger le corner de Jason Berthomier. L'attaquant international guinéen qui avait été meilleur buteur de Ligue 2 BKT la saison dernière avec 22 réalisations porte déjà son total en Ligue 1 Uber Eats à 3 réalisations. Derrière, c'est Jodel Dossou, le béninois, qui se faufile avec un slalom qui aurait mérité meilleur sort. Belle intervention de Gauthier Gallon. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain et Gallon multiplie les prouesses pour ne pas que l'addition soit encore plus salée pour les Stacks. Gallon qui anticipe et qui est le seul joueur véritablement à son niveau côté troyen. 2-0 lors de la première journée, 2-0 lors de la deuxième journée. Clermont découvre la Ligue 1 avec bonheur et réussite. Les Auvergnats font partie avec Angers et le PSG des trois équipes ayant remporté leurs deux premiers matchs. Les Stacks, seule formation avec 0 points en compagnie de Strasbourg.